C'est parti pour une petite vidéo pour montrer le smart cover sur l'iPad 2 et puis un peu la rapidité de l'iPad. Même si là, comme j'ai pas d'application très gourmande, ça va pas avoir beaucoup d'importance. Mais le smart cover, c'est vraiment génial. C'est-à-dire, c'est vraiment comme dans la pub d'Apple. C'est-à-dire que, regardez, j'ouvre, il sort de veille, je referme, il se remet en veille. J'ouvre, et donc après, c'est vraiment juste à dérouler comme ça, et hop, on le fait basculer donc en mode un peu sur le côté, c'est un peu un mode clavier, c'est très pratique. Voilà, comme ça. Et si on veut regarder un film, bien, on le repousse dans l'autre sens, comme ça. Avec une main, c'est pas facile. Et ça fait aussi un très bon support. Si je vais sur YouTube par exemple, et je vais lancer la recette de cocotte à l'agneau. Lecture. C'est parfait pour. C'est vraiment idéal pour regarder un film ou. Bah, principalement pour regarder des films en fait. Des diapos photos, bon là ici, si on pose. Hop là, ok. Donc on va à l'envers. On pose. Et je peux le refermer. Voilà. Et quand je le démagnète, parce que tout est aimanté en fait. Là, c'est pareil, j'ai oublié de marquer. Mais hop! On va essayer de prendre une vue un peu du profil comme ça. Je vais montrer. Il se met tout seul et c'est vraiment pile poil nickel. Voilà. Après, je peux vous montrer un petit peu l'intérieur. Attends, on va basculer comme ça. Ben, l'intérieur, c'est. Plutôt fluide, j'ai l'impression de trembler. C'est plutôt fluide. Voilà. Si on veut jouer à Angry Birds, jouons à Angry Birds. Hop. Tic. Voilà, ça rame pas. Voilà. Génial. Voilà une petite vidéo de l'iPad 2. C'était surtout pour montrer le smart cover qui est vraiment révolutionnaire. On peut le dire cette fois. Voilà. Ciao.